Oh, déjà, Eidkoum Mabrouk à tous. Et ce petit message juste pour vous faire part d'un petit truc qui m'arrive à chaque fois. À chaque fin de Ramadan, c'est la même chose. C'est ce que j'ai appelé le trauma post-Ramadan. L'effet secondaire, en quelque sorte. Ah, c'est parti. Attends. Et si je faisais une connerie, là? Je suis pas bien. Et puis c'est quoi ce petit déjeuner de gitan, là? Où sont les côtelettes? Où sont les briques? Où sont la charba? Tous ces mélanges chelous. Putain, bon, mais t'es sûr que c'est aujourd'hui la fin? Ouais, putain, vas-y, mange. Au pire, tu prends un parasol pour t'habituer petit à petit. Oh putain, je suis en train de faire une connerie. Oh putain, recrache ta mère. Je vous jure, ça me le fait à chaque fois. Je me sens grave coupable de manger en pleine journée. Bon, après 2-3 jours, ça passe, bien évidemment. Et essayons de ne pas lâcher nos bonnes résolutions sous prétexte que le Ramadan, il est fini. Hein? Bon, je suis loin d'être irréprochable, mais moi, au moins, je suis pas atteint d'amnésie et de schizophrénie. Allô Karim? Ouais, c'est fini? Ouais. Ah Karim, rejoins-moi en ville, on va tout niquer là. Ah par contre Karim, j'ai fait quoi pendant un mois? Tu sais, j'ai un vague souvenir, il y a un mois, j'ai mangé une brique à 4h du matin. Après, j'ai des flashs vite fait sa mère le soir. Après, plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé mon frère. Ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, vas-y, laisse tomber, rejoins-moi en ville, on va tout niquer. Oh, ouais. Merde, les mecs, essayons d'être un minimum cohérent et de rester autant que possible dans le même délire le reste de l'année. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Même pas un jour après, je recommence direct les vidéos. Mais ça, c'est parce que je peux pas m'en empêcher, je vous kiffe. En tout cas, l'Eidkoum Mabrouk à tous, que du bon pour vous, Inch'Allah. Et rendez-vous très bientôt.